Le lion massif surprend le duc Pétros. On va marcher, vous la reposerez après. Oui, il faut mieux marcher, hein, parce que les Pécos, ils ont du gaz et ils ont besoin de le montrer. Et donc, Sergio Pécos, qui a été également placé à plusieurs reprises dans les écoles classiques, notamment deuxième de la poule d'essai à 37,8% des taux de population de famille, de l'étalon frisson du Pécos, de Sergio Pécos. Nous avons donc ici le croisement, la réunion familiale des deux Pécos Pécos qui ont, en tout cas en termes de mal, les 5 ou 6 dernières années. Il s'agit, puisqu'on réunit ici, faire plein de Pécos. Tandis qu'Annie de Gorgeux nous amène de l'eau, c'est une étrange idée. Et faire plein de Pécos avec une sœur de frisson. Du Pécos, deux étalons. Allez, on va au trot désormais. Donc je fais la montage à gauche. Mais sur Pénine.